En complément à la mesure de mise en quarantaine que tous les passagers en provenance de la Chine, de la Corée du Sud, de l'Iran, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, du Japon et de l'Espagne, dans le but de la prévention de l'épidémie de la maladie à coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la dite mesure est étendue à tous les passagers en provenance de tous les pays de l'Union européenne et à ceux ayant séjourné dans ces pays durant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi. Et comme vous le savez, depuis la décision de la mise en quarantaine des passagers en provenance de la Chine, de la Corée du Sud, de l'Iran, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, du Japon et de l'Espagne, nous avons déjà mis en quarantaine 34 personnes depuis le 6 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, le 12 mars 2020. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour recommander fortement de généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les formations sanitaires et autres lieux publics. Ici, je cite les écoles, les stades, les bureaux publics et privés, les églises, les hôtels, les bistrots et les restaurants, les marchés et autres infrastructures qui réunissent beaucoup de personnes, parce que cela va aider la population à observer scrupuleusement les mesures d'hygiène, et notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, ou avec de l'eau chlorée, ce qui constitue l'un des moyens efficaces pour se prévenir contre les virus grippaux ou bien le coronavirus